les clés interdites de la persuasion, tous manipulés, tous manipulateurs. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Weekash Copy. Donc, cette vidéo est la première d'une série consacrée aux clés interdites de la persuasion, qui est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, uniquement disponible en anglais, qui a été écrit par Blair Warren. Donc, rappelez-vous, il y a quelques jours, vous avez reçu une vidéo ou un podcast qui vous recommandait de coller le plus possible à la réalité. Et ceux qui collent le plus possible à la réalité sont tout simplement ceux qui ont le plus grand succès. C'est aussi simple que ça. Et donc, la première réalité, je sais, il y en a beaucoup, beaucoup qui ne seront pas d'accord, probablement la majorité. En tout cas pour vous, entrepreneurs qui souhaitez avoir un succès phénoménal, vous devez en être conscient que nous sommes tous des manipulateurs à un niveau plus ou moins élevé. Et manipulateur, ça ne veut pas dire arnaqueur, ça veut pas dire, c'est pas un terme négatif, c'est le fondement même de la réalité. Par exemple, un enfant qui veut un jouet dans un magasin manipule ses parents en faisant une crise, en pleurant selon sa méthode pour avoir le jouet. Alors que quand il le demande directement, c'est non directement. Si vous rencontrez une personne qui vous plaît dans la rue et que vous lui dites directement « Ouais, je m'imagine, nous deux, machin, une relation intime, nous marier, faire des enfants », elle va s'enfuir en courant, cette personne. Alors que si vous le faites plus subtil, petit à petit, ça a des chances d'arriver à un résultat tout à fait différent. Donc, il faut bien vous rendre compte que d'une manière ou d'une autre, et pas que dans la vente, nous sommes tous des manipulateurs, sauf qu'il y a des maîtres en persuasion, ceux qui collent littéralement à la réalité, et d'autres qui réfutent cette réalité, qui disent que tous les manipulateurs sont des arnaqueurs, qu'eux-mêmes sont justes, honnêtes, francs. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent dans la frustration parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils désirent le plus. Par exemple, des personnes qui refusent d'apprendre le copywriting, le pouvoir des mots, qui s'imaginent en faisant le produit le moins cher qui va se vendre ou en ayant simplement un bon produit qui va se vendre tout seul comme par magie. Eh bien, ça explique pourquoi la plupart des entrepreneurs tirent la langue, se démènent pour gagner 3 clopinettes par-ci par-là et avoir 2-3 clients. Parce qu'ils s'éloignent de la réalité, ils s'imaginent des choses, or que la réalité est tout autre. Et on en vient au fait que si, comme beaucoup, le comportement par défaut des entrepreneurs, c'est de vendre, de forcer la vente en disant « mon produit c'est le meilleur, mon produit c'est le moins cher », si vous poussez sur quelqu'un, vous poussez comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retenir. Plus vous poussez fort, plus il va retenir fort et vous pousser en sens inverse plus fort que vous. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand vous courez après vos clients, quand vous poussez votre produit, eh bien, ça ne marche pas, votre prospect vous déteste de plus en plus et va dans le sens inverse que vous lui demandez, il s'enfuit à toutes jambes, il court de plus en plus vite dans le sens inverse pour vous éviter. C'est pour ça que vous devez absolument passer sous le radar et y aller de manière très très subtile, c'est-à-dire de suggérer au lieu de forcer, de laisser la porte ouverte au lieu de défoncer la porte. Ce qui m'amène à une clé de la persuasion, à une clé interdite de la persuasion très très puissante. C'est plutôt que de dire les choses, il vaut mieux laisser déduire le prospect. C'est-à-dire, une personne pourra peut-être vous croire quand vous déclarez que votre produit est le meilleur. Elle pourra peut-être vous croire. Par contre, si elle fait la conclusion par elle-même que votre produit est le meilleur, elle sera convaincue à 100%. C'est pour ça que dans les textes de vente, vous faites des promesses avec des preuves. Comme ça, elle-même, avant de déduire que tout ce que vous dites, c'est vrai, c'est crédible, ça fonctionne, ça marche, elle peut vous faire confiance et
elle va acheter parce qu'elle aura fait la conclusion elle-même. C'est pour ça que dans un texte de vente, vous ne verrez jamais de phrases de type « Donc vous pouvez me faire confiance, donc mon produit c'est le meilleur, donc mon produit marche forcément. » Non, ça vous laissez la personne le déduire. Donc, retenez bien ceci, ayez bien conscience de cette réalité. Nous sommes tous des manipulateurs à un niveau ou à un autre et nous sommes tous manipulés à un niveau ou à un autre. Des études scientifiques ont découvert que pas loin de 99% de nos actions sont sous le conditionnement. Parce que dès tout petit, nous sommes conditionnés à agir de telle ou telle manière face à telle ou telle situation. Ce qui fait que quand vous utilisez les clés interdites de la persuasion, eh bien ça fonctionne avec 99% des gens parce que les gens avancent dans la vie sans prendre conscience de ces clés-là de persuasion, sans les connaître, elles sont interdites, c'est le but même. Donc, à vous de jouer, de les mettre en pratique, et ça c'est la première clé, une conclusion faite par la personne va lui permettre de se convaincre elle-même, toute seule, sans aucune intervention de votre part. Donc, dans cette courte vidéo, je vous ai livré énormément d'informations clés, c'est pour ça que je vous recommande de l'écouter attentivement, de la regarder plusieurs fois. Passez bien à l'action. Si vous voulez générer des ventes instantanées dès aujourd'hui, je vous recommande d'utiliser l'intelligence artificielle WeCashCopy. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Il faut savoir que Amazon a multiplié par 10 son chiffre d'affaires grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. Bing, le moteur de recherche de Microsoft, génère 1 milliard de dollars de revenus chaque trimestre grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. Et vous aussi, vous pouvez utiliser la première intelligence artificielle dédiée au copywriting, l'intelligence artificielle de WeCashCopy, pour générer des ventes instantanées. Il suffit de vous laisser guider, de répondre à quelques questions pour qu'elle puisse déterminer votre situation actuelle, votre première action à effectuer pour générer des ventes instantanées et de les mettre en place. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne WeCashCopy. Salut !